Alors bonjour à tous. Bonsoir en ce 1er janvier 2021. Comme vous l'entendez, il n'y a pas d'applaudissements puisque nous sommes tout seuls dans cette belle salle Debussy du Palais des Festivals à Cannes. Donc en ce début d'année 2021, nous avons souhaité, les musiciens, les équipes de l'Orchestre de Cannes et moi-même, vous présenter un concert du Nouvel An particulier parce que à cause des distanciations rendues nécessaires par la situation sanitaire, nous ne pouvons pas être avec vous dans cette belle salle et nous sommes tout seuls et on se sent un petit peu orphelin. Le concert est aussi particulier parce que j'ai souhaité qu'il soit conçu avec la collaboration des membres de l'orchestre, que ce soit les musiciens ou les membres des équipes de l'administration, de la communication, de la production. Donc c'est un concert qui s'est conçu de manière très collégiale, puisque qu'est-ce que c'est qu'un orchestre ? C'est un ensemble de musiciens hautement qualifiés qui ont été recrutés par le biais de concours très sélectifs. Et c'est un ensemble où, pour parvenir à une interprétation commune, à la beauté commune, il faut que ces musiciens s'émulsionnent, se mélangent. Mais derrière ce magnifique tout qu'est notre orchestre se cachent néanmoins des personnalités éclatantes, des individualités magnifiques et des parcours de vie et de carrière tout à fait singuliers. Et donc c'est cela que j'ai souhaité vous présenter avec ce concert qui s'appelle, alors je prononce très mal, ça s'appelle Felicia Nova Niaron, ça veut dire bonne année en espéranto. Pourquoi ce titre? Parce que les membres de l'orchestre, donc musiciens, membres des équipes, viennent de nombreuses régions françaises et viennent également de plus de 10 pays du monde différents. Et donc on a demandé à chacun de ces membres de l'orchestre de proposer des pièces de leur région d'origine ou de leur pays d'origine qui soient particulièrement adaptées à un concert du Nouvel An. Donc je suis très très content qu'on puisse mettre à l'honneur les individualités fortes qui composent notre bel orchestre. Vous venez donc d'entendre, pour commencer ce concert du Nouvel An 2021, l'ouverture de la pivoleuse, la Gazzaladra de Gioachino Rossini, qui a été donc proposée par Monica Spatari, qui est altiste, qui est née à Aoste et qui a fait ses études à Turin et à Crémone. Monica est rentrée à l'Orchestre de Cannes il y a tout juste un an et donc nous sommes très contents de t'avoir avec nous, Monica. Et merci pour cette belle proposition de cette pivoleuse qui est, m'as-tu dit, une des pièces vraiment traditionnelles des concerts du Nouvel An en Italie. On va vous jouer maintenant une pièce espagnole qui a été proposée par Emilio Alonso Espasandin, qui est notre deuxième clarinette et clarinette mi bémol solo. Emilio donc est originaire de Galice, de la Coruña, et Emilio est rentré à l'orchestre aussi il y a juste un peu plus d'un an, à l'issue d'un concours aussi très sélectif. Il y avait énormément de candidats et Emilio était fantastique et ça ne s'est pas démenti depuis, vraiment on est ravis. Et alors l'œuvre que vous allez entendre s'appelle Vai lavar a cara. Cela veut dire « va te laver la figure ». C'est une chanson galicienne, folklorique, avec des paroles très humoristiques. Et Emilio a demandé à un orchestrateur et compositeur qui s'appelle Juan Duran de faire un arrangement de cette chanson populaire pour notre orchestre. Donc c'est la première fois que nous allons jouer cet arrangement, écrit tout spécialement pour ce concert du Nouvel An, « Vai lavar a cara » de Juan Duran. Thank you.
Bravo à tous et merci à Emilio de cette magnifique pièce. Et nous saluons Juan Duran, je ne sais pas s'il regarde ce concert, mais merci à vous et bravo pour ce bel arrangement. Alors maintenant, une pièce qui est une commande de l'Orchestre de Cannes, commandée tout spécialement pour ce concert. C'est donc une création mondiale que vous allez entendre maintenant. Cela s'appelle le Carnaval de Saint-Pierre de Cyril Laine. C'est Thomas Sylvan qui est notre régisseur général et que voilà. Thomas est notre régisseur général donc depuis un an aussi, le mois d'août 2019, et nous sommes vraiment ravis de ta présence, Thomas. Thomas entretient avec les Antilles des liens familiaux, des liens matrimoniaux, je dirais, sans rien dévoiler de sa vie privée. Donc, il a souhaité que nous commandions à son ami Cyril Laine cette belle pièce. Et Cyril, qui est là et qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et Cyril, je vais me permettre de lire la petite note d'intention que tu as écrite à l'occasion de cette création. Alors voilà quelques très courts mots de Cyril Laine. Le Carnaval de Saint-Pierre s'inspire d'airs traditionnels collectés en 1966 par la grande chanteuse martiniquaise Léona Gabriel et publiés dans son ouvrage « Ça, c'est la Martinique ». La plupart de ces airs sont des chansons de carnaval qui appartiennent toutes à des danses les plus populaires de Martinique, la biguine en tout premier lieu et la mazurka créole. La pièce, comme vous allez l'entendre, s'ouvre sur un vidé, c'est un appel à débuter la fête. Il s'agit de suivre un groupe à pied en se laissant distancer, puis en remontant frénétiquement la foule. Puis trois biguines s'enchaînent, la partie centrale fait entendre deux mazurkas, dont une s'appelle Grand Tomobile et une autre au contour rythmique très typique de la mazurka du 19e siècle. Puis les biguines sont réexposées dans des tons différents. L'orchestration de la pièce, comme vous allez l'entendre aussi, met en avant les percussions, les clarinettes, les trompettes, qui sont les instruments rois de la musique des orchestres créoles de la première moitié du 20e siècle. Voilà donc en création mondiale le Carnaval de Saint-Pierre de Cyril Laine. Thank you.
après ce carnaval de Saint-Pierre, de Cyril Laine, donc Création mondiale, nous allons vous jouer maintenant deux pièces de Jean Français. C'est Vincent Tison qui est notre hautbois solo depuis 2010 à l'Orchestre de Cannes, qui a proposé cette pièce puisque Vincent est né au Mans, comme l'était Jean Français, qui est né au Mans en 1912. C'était d'ailleurs le fils du directeur du Conservatoire du Mans. Et Vincent me racontait que pendant que Jean Français travaillait son piano et faisait, me dit-il, les 400 coups, le grand-père de Vincent, Jean Tison, qui était 2 ans plus jeune que Jean Français, apprenait le hautbois. Donc c'est une histoire familiale qui lie Vincent à ce grand compositeur Jean Français qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est né en 1912, il est mort en 1997, compositeur assez iconoclaste, très particulier. Il a écrit par exemple la musique de Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, compositeur très protéiforme. On va vous jouer deux pièces de Jean Français, deux pièces très courtes qui durent chacune 3 minutes. Une première qui s'appelle La pavane pour un génie vivant, qui a été dédié à Maurice Ravel pour le 50e anniversaire de sa mort en 1987. Et Jean Français a dédié donc cette pièce à Maurice Ravel en disant « À la mémoire de Maurice Ravel, si présent parmi nous ». Et vous entendrez dans cette pavane des citations du tombeau de Couperin de manière très lente. C'est assez, assez curieux et c'est très très beau. C'est une très belle pièce. Et puis après, nous vous jouons le final de la sérénade pour petit orchestre que Jean Français a écrit bien avant, en 1934, alors qu'il n'avait que 22 ans. C'est une pièce donc pour un tout petit orchestre, juste un quintet à cordes, quelques vents. Et c'est une sorte de pantalonnade à la Stravinsky, une sorte de Stravinsky mêlé de Commedia dell'arte. Donc deux pièces de Jean Français suggérées par Vincent Tison, notre hautbois solo, La pavane pour un génie vivant et le final de la sérénade pour petit orchestre. Thank you.
Alors nous avons au corps anglais Diane Chirabatello, Vincent Tison au bois, Florent Bontron et Anaïs Normand à la flûte, Emilio Alonso, Espasandine et François Drault à la clarinette, Nicolas Favreau et Jackie Mingo au basson. Bravo. Et donc maintenant cette petite sérénade, le final de Jean Français. Bravo à tous et merci à Vincent Tison dont l'exubérance n'a d'égal que celle de la musique de Jean Français m'avoir fait découvrir ces deux pièces que je ne connaissais pas. Bravo. Alors, il existe beaucoup de musiciens parisiens à l'Orchestre de Cannes, et oui, hélas, les Parisiens sont partout, dont moi, voilà. Et donc, j'ai choisi, au nom de tous mes compatriotes parisiens de l'Orchestre de Cannes, une ouverture de Jacques Offenbach, qui, comme moi, n'était pas très catholique, et qui a illustré mieux que personne l'esprit parisien de notre capitale. Et donc, c'est l'ouverture, bien sûr, de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Thank you.
bravo à tous pour cette vie parisienne, ponctuée d'une petite chute de baguette assez goûteuse. Fumika Konishi, qui se lève maintenant. Fumika est née à Bonn. Fumika est japonaise, est née à Bonn, en Allemagne. Elle a fait ses études au New England Conservatory à Boston. Elle est entrée à l'Orchestre de Cannes 10 ans avant moi, en 2006, n'est-ce pas ? Et pour ce concert du Nouvel An, Fumika nous a proposé une pièce qui s'appelle Haruno Umi, de Miyagi. Haruno Umi, ça veut dire la mer, donc Umi et Haru, le printemps. J'ai des antisèches, hein, voilà. Et c'est une pièce qui a été composée en 1929 pour deux instruments traditionnels japonais, le su et le shakuhachi, à l'occasion d'un festival qui s'appelle Utakai Hajime, n'est-ce pas Fumika, ça va. C'est la première lecture des poèmes du Nouvel An. Alors pourquoi ce thème de la mer? Parce que c'était le sujet pour 1930, il fallait un sujet autour de la mer. Et pourquoi le printemps? Puisque traditionnellement au Japon, avant le Nouvel An, n'est-ce pas Fumika? C'est Fumika qui m'a expliqué tout ça, bien sûr. Le printemps était le Nouvel An était célébré comme en Chine maintenant au début février, et donc ça s'appelle la fête, le festival du printemps, cette célébration du Nouvel An. Et donc c'est pour ça que la pièce s'appelle La mer du printemps. Voilà, et cela va être joué non pas par le sou et le shakuhachi, mais par flûte et harpe. Ce sont les instruments qui se rapprochent le plus de ces deux instruments, avec Florent Bontron à la flûte et Cécile Maudire à la harpe, qui forment d'ailleurs tous les deux un magnifique duo qui s'appelle le duo Péléas, qui fait de magnifiques concerts. Donc Cécile Maudire et Florent Bontron dans Haruno Umi, la mer du printemps de Miyagi.
Bravo à Cécile Maudire et Florent Bontron pour ce Haruno Umi et merci à Fumika Konishi de cette magnifique idée. Nous allons maintenant vous jouer une pièce du répertoire français très connue, une des pièces les plus connues du répertoire français, La Farandole, tirée de l'Arlésienne de Georges Bizet. C'est Anne Saez qui est violoniste qui nous a proposé cette pièce parce que Anne est née à Avignon. Anne a fait ses études au CNR de Rueil. Elle a également étudié avec le grand Gérard Jarry et elle est rentrée à l'orchestre toute jeune en 1988. Alors cette farandole, c'est, on va vous jouer ça dans la version orchestrée par Ernest Guiraud. Guiraud est donc un compositeur, orchestrateur, c'était le professeur de Paul Dukas, d'Éric Satie, de Claude Debussy. Et pourquoi cette farandole? Parce que Anne me disait, il y a dedans la marche des rois, qu'on prononce en provençal la Marcho di Rei, je ne prononce sans doute pas très bien, qui est un chant de Noël provençal qui célèbre l'Épiphanie et les rois mages. Et donc, comme on vient d'enregistrer avec l'Orchestre de Cannes un extrait d'une opérette qui s'appelle Paris-Lyon Méditerranée, PLM, alors là, c'est pas PLM, c'est MMP, Menton-Marseille-Provence, voilà. Et c'est une sorte d'ode à la lumière du Sud, à la joie, et donc à cette marche des rois, la farandole, tirée de la deuxième suite de l'Arlésienne de Georges Bizet, orchestrée par Ernest Guiraud. Bravo à tous et bravo à Mathieu Schaeffer
au tambourin provençal. Je ne sais pas si la caméra peut faire un petit... Voilà, ce tambourin qui est typique de la Provence. Voilà, tambourin provençal utilisé, entre autres, dans l'Arlésienne et dans des pièces de Darius Milhaud aussi. Voilà, alors, répertoire totalement différent, comme vous allez l'entendre maintenant, puisqu'il est proposé par Min Suk Hoo, qui est violon co-solo de l'orchestre depuis 2009. Alors, Min Suk est né en Corée. Il a étudié au CNR de Tours, au CNR de Paris, n'est-ce pas, à l'école normale également. Voilà, j'ai bien révisé ton CV. Et Min Suk nous propose la pièce suivante qui s'appelle Arirang. Pardonnez ma prononciation. J'ai déjà pris un peu l'accent de Cannes, alors j'ai du mal à prononcer le coréen correctement. C'est la chanson traditionnelle la plus connue de Corée, Arirang. Il y a plusieurs versions, paraît-il, à la fois en Corée du Nord et en Corée du Sud. C'est une chanson qui porte le nom en fait d'un col d'une montagne, le col Arirang, et qui décrit les efforts des voyageurs à gravir ce col. C'est bien sûr très imagé pour l'effort de la vie, et que les paroles de la chanson disent qu'il ne faut pas se décourager et que le passage du col est difficile. Traditionnellement, c'est une flûte coréenne qui est utilisée, qui s'appelle le tonzo. Et là, dans cette version-là, c'est le piccolo qui sera utilisé pour imiter le tonzo. Donc voici Arirang. Thank you.
bravo. Merci Windsor pour cette idée. Et bravo à, au Tomso d'Anaïs Normand. Elena Gallo est assistante de direction à l'Orchestre de Cannes depuis 2004. Privet, Elena. Privet. Snowim Gordon. Et Elena est née à Ekaterinbourg où elle a fait des études de musicologie et d'autres études. Et Elena nous a proposé deux pièces qui sont vraiment iconiques, alors pour le coup, du répertoire de la nouvelle année en Russie et partout dans le monde. C'est des extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Alors, Casse-Noisette, c'est l'histoire d'une petite fille qui part dans un voyage imaginaire avec un casse-noisette qu'on lui a offert. Et c'est une version en français qui a inspiré le ballet de Tchaïkovski d'Alexandre Dumas d'après un conte de Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, le même que les contes d'Hoffmann d'Offenbach, donc l'histoire de ce casse-noisette. Et c'est très amusant, si Elena est née à Ekaterinbourg, Clara, la petite fille, et le casse-noisette vont au royaume de Confiturembourg, c'est vraiment dans l'histoire, pour faire ce voyage imaginaire et là aussi très symbolique. Alors deux extraits de Casse-noisette, Trépak, qui est une danse très rapide et très vive ukrainienne, et la fameuse valse des fleurs, donc le casse-noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
facile pour cette magnifique cadence de harpe. De la Russie, passons à la Pologne. Mateusz Dudka est violoniste. Il est originaire de, on prononce Łódź en français, mais c'est Łódź en polonais. Et je salue au passage mon neveu qui est franco-polonais. Voilà, un petit bisou à Gustave. Et donc Mateusz a étudié à Hanovre, également à la Schola Cantorum à Paris, et il m'a proposé une pièce extraordinaire qui s'appelle Orava. Orava, donc c'est le nom d'une rivière. On ne sait pas bien si c'est le nom d'une rivière au sud de la Pologne ou si c'est une région de plaine de montagne. En tout cas, la pièce est inspirée du folklore d'une région qui s'appelle Tatra, qui est une région de montagne entre la Pologne et la Slovaquie. C'est une pièce pour cordes seules, dont nous allons jouer un extrait. Ce n'est pas l'intégralité de la pièce. C'est une pièce de Wojciech Kilar, qui est un compositeur que je ne connaissais pas, et je remercie du fond du cœur Mateusz Dudka de m'avoir fait découvrir ce compositeur. J'ai appris par la suite que c'était lui qui avait écrit la musique aussi du Dracula de Francis Ford Coppola. Il a écrit beaucoup de musique de films, un grand catalogue. C'est un compositeur très intéressant, et donc nous allons vous jouer maintenant des extraits de Orava, de ce Wojciech Kilar. Thank you.
un petit tour en Bretagne avec Anaïs Normand, deuxième flûte et piccolo solo. Et Maïla Talek, qui ne peut pas cacher son patronyme breton, Maïla Talek. Qui est donc, Maïla est notre attachée de production depuis 2019 et Anaïs est notre deuxième flûte et piccolo solo depuis 2016. Anaïs a fait ses études à Saint-Brieuc, puis à la Haute École de Musique de Lausanne avec José Daniel Castellon, que je salue, et au Conservatoire de Paris avec le pape du piccolo français, Pierre Dumail, que nous saluons très chaleureusement également. Maëla et Anaïs nous ont proposé une pièce qui était une commande de l'Orchestre de Bretagne, qui a été créée tout récemment, qui s'appelle « Les Transes Bretonnes ». D'une compositrice qui s'appelle Frédéric Lory. Et Frédéric Lory a fait un peu comme Béla Bartók, qui était parti à la recherche des traditions populaires roumaines, dans les danses populaires roumaines et hongroises. Pardon, nous avons une hongroise parmi nous, je devrais dire Bartók, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Et donc, Frédéric a remis en musique plusieurs danses de ces transbretonnes. Nous vous en jouons un extrait. Trois danses, le laridé, la gavotte, qui s'appelle la danse des pieds de fer, et le pachpi. Voilà, les transbretonnes, un extrait de Frédéric Lory. Thank you.
merci beaucoup pour cette brillante idée. Dernière pièce de ce programme, avec la pièce qui m'a donné en fait l'idée de faire ce programme et de demander aux musiciens et aux membres de l'orchestre de proposer des pièces pour ce Felician Novan Yaron, ce concert de bonne année à distance, pour la dernière fois bien sûr, nous espérons. J'étais l'année dernière en Bulgarie, j'étais membre du jury d'un concours de direction d'orchestre, et il y avait parmi les membres du jury un chef d'orchestre bulgare qui s'appelle Grigor Palikarov, que je salue très chaleureusement. Et au programme de ce concours de direction, il y avait une pièce que j'ai trouvée formidable qui s'appelle Rachenitsa de Petko Steinhoff. Alors c'est une pièce que je ne connaissais pas, je pense que la plupart des musiciens français ne connaissent pas cette pièce. Et à mon retour en France, j'en ai parlé à Pavel Penkov, que voilà. Pavel est bulgare, né à Sofia, a joué à l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, à l'Opéra de Tours avant de rejoindre l'Orchestre de Cannes en 1987. Et lors de notre conversation, Pavel m'a dit, mais en fait c'est une pièce très connue en Bulgarie, c'est basé sur des rythmes typiques bulgares, des rythmes impairs, un rythme à 7 qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous entendrez ça. Et du coup je me suis dit, ah, j'aimerais bien la faire pour le nouvel an. Et Pavel m'a dit, ah mais formidable, et d'ailleurs il m'a tout de suite parlé d'autres pièces bulgares formidables, un répertoire que je ne connaissais pas et qui n'est pas assez connu en Europe de l'Ouest. Et donc voilà, c'est ça qui nous a donné l'idée de faire ce concert international. Donc voici cette pièce pour terminer le programme du Nouvel An de Petko Steinhoff, Rachenitsa, qui est un extrait d'une suite qui s'appelle Les Danses de Thrace. Et c'est le quatrième mouvement qui s'appelle Rachenitsa. C'est une pièce extraordinaire et je remercie très chaleureusement Pavel de ses échanges à ce sujet. Rachenitsa. Thank you.
Quel étrange moment d'avoir la fin d'un concert et d'être tout seul, orphelin. Donc nous formons, pour vous tous qui nous regardez, et vous nous manquez énormément, nous formons les vœux de bonne santé, bien sûr, de prospérité, de réussite, d'amitié et d'amour, bien sûr. Et nous souhaitons également présenter nos vœux de manière très émue à une violoniste dont c'était le dernier concert après de nombreuses années passées. Alors qu'est-ce que c'est Daniel Calvera qui prend sa retraite. Une très bonne année. Et donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année. Feliz año nuevo. Bonne année. Chestita nova godina. Bonne année.